pas gentil à 80. Hein. On va la retrouver, ne vous inquiétez pas. On a gagné. On ne va pas donner les derniers. Ils sont tous des dommages. Puisque vous êtes tous des gagnants, de toute façon. Vous serez groupe par groupe et vous serez libre de donner vos résultats. Vous saurez vous-même combien vous êtes classé. J'ai mon téléphone qui sonne, c'est pas le moment. J'essaye de créer... Ils ont trouvé la coupe ? On va commencer par le troisième. C'est embêtant qu'on n'ait pas la coupe quand même. Comment ? Je viendrai vous la remettre en main propre. Je peux te payer l'hôtel, pas de soucis. Ça va ? Le troisième à être arrivé au second concours du festival de 4 mars. Ah ! Pour ses 10 ans, sous un soleil de plomb. Alors, mon shérif adoré tire la langue et il a retrouvé la coupe. Le troisième groupe à être passé, enfin à pas être passé, à avoir gagné, enfin, on va dire classé, hein, comment on dit, c'est des... Enfin, c'est Team Country. Ce sont donc les troisièmes. Vous les remettre par Monsieur le Conseil Général. Non, non, c'est pas ça, ça c'est pour le premier. Voilà, on va te remettre un diplôme, donc remis par Monsieur le Conseil Général. Juste après les troisièmes, il y a les seconds. Ce sont le Savoyard M Country. Alors, monsieur le maire, et oui, tu vas avoir le droit à la bise. Et le premier
groupe être arrivé. Voilà, alors c'est la bonne coupe. Voilà. C'est marqué Dance Country 82013. Pour le 10e anniversaire, effectivement. Bien accompagné de monsieur le maire, de monsieur le conseiller général et de mes 5 juges. Vous voyez, le président, il est tellement ému pour le vainqueur qu'il a du mal à dire qu'il est le vainqueur. Mais je voudrais quand même lui donner toutes mes félicitations pour ce qu'il a fait, parce que depuis 10 ans, il a redonné un air de fête de country à 80 heures, et c'est très bien pour notre région. Voilà. Et merci. Et merci aux gens de la Savoie qui sont venus, aux gens du Nord, aux gens de Paris, de tout le département. Et je demande à tout le public de faire un triple banc pour tous les gens qui se sont déplacés. Le premier, c'est Rock and Country Dancers. Je vais remettre bien évidemment les diplômes aux autres participants qui sont de toute façon tous vainqueurs. Ce sont tous des. On l'a tous vu, ce sont tous des professionnels de la danse. À Grandvilliers Country Dance. Ainsi qu'à Opé le Sentier. Ah oui, là, son livre. Hey, Catherine. Ah. Merci, merci à vous. On va donc revoir la Corée donc, des Rock and Country Dancers. Allez, on va remettre les Rock and Country. C'est bon, tu l'as sur la. On va prendre la photo.